Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour que je vous fasse un tirage sur les énergies de cette pleine lune en Sagittaire pour les signes de terre qui sont donc les taureaux, les vierges et les capricornes. Je vais commencer par vous expliquer un peu les caractéristiques de cette pleine lune. Donc, comme je vous ai dit, elle se trouve en Sagittaire. Le principe de la pleine lune, en fait, est de faire remonter des émotions fortes, un petit peu comme la nouvelle lune, mais pas dans un sens de transformation, mais elle est plus chamboulante, dans le sens où elle peut chambouler une situation qui vous perturbe, qui vous préoccupe. Elle peut créer des revirements de comportement ou d'événements dans une situation, mais beaucoup plus concrètement. Donc elle se trouve en Sagittaire. Le Sagittaire est un signe, c'est le signe le plus libre et le plus aventurier et libertaire du zodiaque, mais que ce soit dans ses actes, dans son comportement ou même dans sa façon de penser, c'est un signe qui est très ouvert, mais qui malgré tout est quand même très attaché aux règles, aux règlements et que ce soit sociétal, familial, amical, c'est un signe qui est assez loyal, mais qui est plutôt libre, dans sa manière d'agir et de penser. Je vous explique le déroulé de mon tirage. Donc, je vais utiliser les chemins de Qumran en oracle. Donc, j'aurai, en fonction de la situation qui vous préoccupe le plus ou de l'événement qui est un peu présent au quotidien en ce moment dans votre vie et auquel vous pensez peut-être un petit peu plus que les autres. J'aurai une carte question pour voir quelle question va soulever cette pleine lune ou quel questionnement va apporter cette pleine lune ou quelle question vous devriez peut-être vous poser par rapport à cette situation. Ensuite, quel obstacle va créer cette pleine lune ou qui pourrait être bouleversant pour vous ou quel obstacle en vous il serait bien de travailler en fait pour dépasser ça. Et ensuite, quelles ressources pour pouvoir surmonter ou qui pourrait vous donner une indication de qu'est-ce qui va pouvoir vous aider à surmonter cet obstacle. Ensuite, je tirerai deux cartes du tarot Zen Dosho, donc une qui concernera la force que vous avez, donc qui viendra compléter un petit peu la ressource, et une carte conseil. Et pour finir, je vous tirerai une carte de l'horoscope magnétique Les Bâtisseurs d'Isabelle Serre pour vous donner un message de la météo énergétique un petit peu que va soulever donc pour vous les signes de terre cette pleine lune. Allez, je vais commencer. Cette pleine lune du mercredi 26 mai 2021 pour les signes de terre. Pleine lune en Sagittaire. Quelle question va soulever cette pleine lune? Question pour les signes de terre, pleine lune de ce mercredi 26 mai 2021. Donc j'ai eu la question, et si tu pardonnais? Donc visiblement, je pense que cette pleine lune, j'ai oublié de préciser que cette pleine lune, en fait, c'est la pleine lune des, on l'appelle la lune des fleurs. En l'occurrence, là, c'est une super lune des fleurs. Une super lune, c'est le moment où la lune est dans son orbite, en fait, il y en a deux dans l'année. Où la Lune est la plus proche de la Terre, donc où ses énergies sont encore, sont encore plus décuplées, pardon, en sachant qu'il y a une éclipse en fait qui se fera en même temps que cette super Lune des fleurs. On l'appelle la super Lune des fleurs parce que c'est le moment en fait au mois de mai où les fleurs sauvages fleurissent en fait le plus dans l'année. Donc je pense que là, cette,
cette pleine lune, pour vous les signes de terre, va vraiment vous faire soulever une question de pardon, une pardon dans une situation. Donc c'est que vous avez peut-être un gros sentiment de trahison qui date du passé ou qui peut être récent ou qui est présent en ce moment dans une situation. En Sagittaire, instinctivement en fait, ça me fait me dire que peut-être que pour pouvoir retrouver un petit peu ce sentiment plus de légèreté, de liberté et de liberté de penser sans être trop focalisé dessus, peut-être que le pardon, la question du pardon devra être soulevée. Pour d'autres, ça peut être effectivement un pardon qui s'impose parce qu'il peut y avoir un acte qui sera posé vu qu'il peut y avoir des retournements de situation au moment des pleines lunes et qui du coup va vous permettre de pouvoir pardonner. Mais je pense que la question que va soulever cette pleine lune pour les signes de terre sera liée au pardon. D'accord. Et c'est quelque chose, je pense, que vous savez parce que vous voyez, regardez, j'ai eu la carte numéro 2. Dans le tarot, l'arcane majeur 2, c'est la papesse. Et c'est quelque chose que vous avez déjà expérimenté, que vous savez. Vous avez cette sagesse de le savoir, de déjà l'avoir peut-être soulevé cette question. Mais peut-être que là, cette pleine lune viendra encore plus soulever ça et vous permettra peut-être de pouvoir y arriver. Maintenant, nous allons voir quel obstacle vous avez à cette question. Pleine lune en Sagittaire. Les signes de terre, s'il vous plaît. La lune en Sagittaire ce mercredi. La peur de la mort. D'accord. Donc là, en obstacle, j'ai eu donc la peur de la mort. Ce n'est pas la peur de la mort physique ou c'était ressorti, je ne sais plus pour quel signe, pour la nouvelle lune là. J'avais eu exactement, il me semble, la même configuration. Ça va soulever chez vous le fait que pour vous, de pardonner est un obstacle dans le sens où, pour l'instant, vous associez le pardon à votre... si jamais vous pardonnez, en fait, ça veut dire que vous acceptez de laisser ce qui vous a fait de la peine, du mal, ce sentiment de trahison, de blessure, d'abandon, peu importe, quoi que ce soit ou quelle que soit la situation. C'est que vous avez cette sensation que si vous laissez ça derrière, c'est comme si que ça n'existait plus. Mais cette situation, actuellement, vous cherchez à la faire perdurer dans votre vie et vous y accrochez peut-être sans pardonner parce que le fait de ne pas pardonner, ça fait toujours exister cette situation ou cette personne ou ça fait toujours exister ça dans votre vie, en fait. Et vous ne voulez pas lâcher parce que la mort, c'est une transformation, c'est un passage d'un état à un autre et c'est... Voilà, quand quelque chose s'éteint, c'est pas forcément négatif, mais si ça s'éteint, ben vous avez ce sentiment de vide et que ça n'existe plus. Sauf que pour l'instant, vous avez besoin de continuer à faire perdurer ça parce que c'est la seule façon que vous avez quelque part trouvé, la seule solution que vous avez trouvée pour... c'est quelque chose qui n'est pas réglé pour vous. Et comme ce n'est pas réglé et que c'est peut-être pas abouti, ça n'a peut-être pas abouti, vous avez peut-être aussi un sentiment, j'entends, d'injustice. Ce qui fait que le fait de le faire perdurer dans votre vie, ça vous permet de pouvoir vous donner cette comme sensation que ça pourrait revenir et que enfin vous pourriez régler ça, mais positivement pour vous. Sauf que là, vous avez un gros problème de... ça vous pose vraiment un problème parce que du coup, vous n'avez peut-être pas envie de laisser ça dans le passé. Ok, nous allons voir quelle est votre ressource pour essayer de surmonter cette peur, en fait. Après, sachez que ce n'est qu'une peur en réalité, ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas parce que vous pardonnez que cette situation ne pourrait pas se transformer plus tard et devenir un état très positif, en fait. Ce n'est qu'une peur en réalité. Et j'ai eu, donc celle-ci, c'est la 81, donc si j'additionne, ça me donne la 9 en arcane majeur du tarot. Et la 9, c'est l'ermite. Et du coup, c'est vrai que du coup, vous êtes peut-être un petit peu isolé. Et ça vous isole, en fait. Ça vous isole.
parce que ça vous isole dans le sens où j'entends que ça vous empêche aussi peut-être de faire confiance à des nouvelles situations qui pourraient se présenter à vous. Vous êtes coincé entre les deux, en fait. Ok. Donc, pour les signes de terre, une ressource pour cette pleine lune en Sagittaire du mercredi 26. Hop. Le lâcher prise, bah, c'est exactement ça. C'est ce que je vous disais. J'ai eu le lâcher prise en ressources. Vous avez cette capacité en fait de lâcher prise. Je vous expliquerai vite fait en détail, sans trop rentrer dans les détails, la meilleure façon de pouvoir lâcher prise, de pouvoir lâcher prise et de vous sentir bien à l'instant T, même si c'est des émotions qui reviennent et qui reviennent, peut-être une manière de pouvoir de temps en temps lâcher ça. La 105, si j'additionne, ça me donne 6, ça me donne les amoureux en arcane majeur dans le tarot. Les amoureux, c'est une notion de choix à faire. Donc si on fait un choix, ça veut dire qu'on a deux possibilités. Si on a deux possibilités, c'est si on choisit un côté, on renonce à l'autre. Mais choisir n'est pas forcément renoncer en fait. On peut choisir à un instant T de pardonner pour ensuite, comme je vous disais, revenir à quelque chose qui sera beaucoup plus sain, même si c'est avec la même personne, la même situation, le même travail, les mêmes amis, la même famille. Enfin, je veux dire, voilà, c'est juste votre état d'esprit en fait que vous devez transformer. Lâcher prise, c'est-à-dire vivre dans l'instant présent. Et la meilleure façon de le faire, c'est si vous sentez des angoisses qui remontent, des peurs, de la tristesse, quelque chose qui vous oppresserait, la meilleure façon que vous avez, c'est de vous poser, de focaliser sur votre corps, de prendre des grandes inspirations, de ne focaliser que sur votre respiration et vos sensations. Et immédiatement, sans même vous en rendre compte, ces peurs et ces angoisses disparaissent instinctivement. Vous faites ça quelques minutes, même à le faire plusieurs fois dans la journée, si vraiment vous êtes dans une journée un peu angoissante. Et ça vous permet de vraiment lâcher un peu ça, quoi. Et vraiment, si vous faites ça régulièrement, ça peut vraiment vous faire du bien. Et puis, vous pouvez même vous rendre compte avec en peu de temps, en réalité, que finalement, ça vous oppresse moins parce que du coup, vous focalisez plus sur le fait de respirer à ce moment-là que de vivre votre angoisse et vos peurs. Et vous avez cette capacité, si cette ressource, elle sort, c'est que, c'est ce que je disais, vous avez cette capacité dans le sens où vous le savez, puisque j'avais eu la papesse en deux, donc c'est quelque chose que vous savez. Et cette pleine lune va venir vous aider à travailler sur ça. Ok. Je vais tirer maintenant deux cartes du tarot Zen Dosho. Donc une pour la force qui viendra compléter la ressource et une pour les conseils qu'on vous donne. Donc pour cette pleine lune, les signes de terre du mercredi 26 mai. Conseil, s'il vous plaît, pour le signe de terre. Hop. J'en ai trop, pardon. Un conseil. Pour les... Hop là, ok. Ah, bah c'était celle que j'avais vue en premier que je voulais prendre tout à l'heure. Je voulais la prendre, mais j'étais pas sûre. Mais en fait, elle est ressortie, donc c'était bien celle-là. Ok. Je pense que c'est très basé sur le sentimental. Donc couple, j'ai eu le 6 de coupe. Donc couple destiné, peut-être une histoire de triangulaire. Parce que là j'avais eu la 6 en additionnant les chiffres. Ce qui me donnait les amoureux. Un arcane majeur du tarot. Donc une histoire de triangulaire et de faire un choix. C'est-à-dire qu'en réalité, voilà, vous êtes beaucoup dans vos pensées. Peut-être que quelqu'un vous manque, vous vous sentez trahi dans une relation soit existante, soit en parallèle, soit du passé. Vous avez du mal à pardonner et à lâcher ça. Et en carte, donc ça, mais la force que vous avez, c'est de peut-être continuer à avoir... Enfin, si vous êtes dans un parcours un peu spécifique, sentimental... Vous savez que ce parcours ne fait pas partie de votre vie ou n'a pas fait partie de votre vie pour rien. Vous savez que c'est parce que
vous avez des choses à faire vous de votre côté. Sauf que si vous vous sentez coincé encore sentimentalement dans ça, ça peut être un travail hein, qui vous tenez très à cœur en fait. C'est vraiment quelque chose de très sentimental, très important sentimentalement pour vous. Sauf que si vous n'arrivez pas à lâcher cette peur, à lâcher prise et à pardonner en réalité, et peut-être vous pardonner à vous-même en fait, ça vous empêche de continuer à avoir la foi dans ça. Et en fait, et du coup, vous y pensez beaucoup parce que voilà, j'ai le rêve, mais du coup, voilà, vous y pensez énormément et c'est une notion de très sentimentale là. Sauf que je l'ai eu en force. Ça veut dire que quelque part, si vous savez pourquoi vous vous êtes retrouvé dans cette situation, c'est peut-être que vous croyez encore en cette situation, vous croyez qu'il pourrait y avoir un rééquilibrage et vous croyez que la situation pourrait aboutir à un moment donné sentimentalement en votre faveur. Et du coup, c'est une force que vous avez. Sauf que des fois, c'est un peu ambivalent parce que comme vous avez cette peur que ça s'arrête si vous pardonniez et de lâcher prise, ben c'est comme si cette situation n'existait plus. Mais ça ne veut rien dire, ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas revenir à vous, mais du coup, beaucoup plus sainement dans le sens où il n'y a plus d'enjeu de peur et de pardon et tout ça. En carte conseil, eh ben c'est la même, c'est le lâcher prise en fait. C'est la schizophrénie. Bon, la schizophrénie, c'est pas vous êtes schizophrène, ça n'a rien à voir. C'est le 2 d'épée. Dans le tarot, le 2 d'épée, ben, c'est un choix à faire. C'est pareil, c'est à double tranchant, donc c'est toujours pareil. J'ai toujours une notion de triangulaire, d'un choix à faire. Regardez ce petit bonhomme-là. Il est suspendu par les mains et par les pieds entre deux falaises. Parce qu'il veut pas, en fait, lui, c'est soit cette option-là, soit cette option-là. Donc, soit pardonner, pas pardonner, partir, rester, cette personne. Et en fait, ce qu'il se rend pas compte, c'est que ça lui fait peur. D'accord? Et en plus, regardez, je suis un peu dans les mêmes teintes, c'est-à-dire que ce qui lui fait peur, c'est le vide, donc ce qui n'existerait plus. Et en réalité, il veut pas lâcher ni les mains, ni les pieds. Il préfère rester accroché à ces deux situations ou ces deux sentiments un peu ambivalents, parce que sinon pour lui c'est la fin. Alors qu'en réalité, en lâchant prise, il se rendra compte que ça justement c'est peut-être la troisième solution et c'est la meilleure. Et ce triangle-là du milieu représente vraiment la troisième solution. Mais pour ça, il faut lâcher, il faut faire un choix. On vous conseille de faire un choix et de lâcher prise. Donc là, on est très raccord et ce tirage est très très parlant pour vous, les signes de terre. Ok. Pour finir, je vais tirer une carte de l'horoscope magnétique Les Bâtisseurs. Donc un petit message pour les signes de terre, s'il vous plaît, pour cette pleine lune. Cette pleine lune. Pardon, j'ai un message. Pour que ce soit plus clair, il faut que je vous dise la phrase pardonner ne veut pas dire oublier. C'est pas parce que vous pardonnez que vous oublierez, et c'est pas parce que vous pardonnez à l'autre que l'autre vous oubliera. Mais par contre, il n'y aura plus cette sensation énergétique de rancune et de. Voilà, ça va alléger un petit peu les énergies. Et comme je vous dis, peut-être que cette pleine lune viendra apporter un retournement de situation, une évolution, un événement qui se passe, qui fait que vous pourrez pardonner, lâcher la peur de la mort et pouvoir lâcher prise et enfin vous retrouver peut-être dans cette situation sentimentale, quelle qu'elle soit, qui vous est destinée en réalité. Allez, j'y retourne. Pour les signes de terre, cette pleine lune en Sagittaire, s'il vous plaît. Donc, je vous lis la carte et ensuite je vous la montrerai, comme ça vous pourrez mettre sur pause pour la relire si ça vous dit. Donc, aujourd'hui, tu es dans une énergie de changement concernant une situation très importante pour toi. On te demande de faire preuve de patience,
car il y a des synchronicités extérieures qui doivent se mettre en place. Sois patient et tout va bien se passer. Voyez, c'est ce que je vous dis. En réalité, vous êtes peut-être dans l'attente du retour d'une situation et ça vous obsède, vous n'arrivez pas à... Il y a eu des blessures. Et du coup, pour avoir ce sentiment un peu plus de liberté, tout en conservant ça et éclaircir un petit peu vous, votre état dans ça, on vous demande d'être patient. En fait, l'attente n'est pas de la patience. Parce que pendant que vous attendez, vous ne faites rien d'autre qu'attendre. Vous n'êtes pas capable, en fait, de faire quoi que ce soit qu'attendre. Sauf que là, ce qu'on vous conseille, c'est de patienter. Donc, comme je vous disais, pour que ça se passe, ce qui vous est destiné et que vous savez au plus profond de vous, vous devez mettre en place des choses pour vous-même, vous accomplir vous-même. Et il faut lâcher vraiment cette notion de pardon et de s'accrocher à quelque chose qu'on ne pardonne pas pour pouvoir mettre en place des choses par soi-même. Et cette situation pourrait vous revenir beaucoup plus positivement, en fait, puisque bah, c'était peut-être le but, en réalité, énergétiquement. Donc, je vous montre la carte. Voilà, pour les signes de terre, pour cette pleine lune en Sagittaire du mercredi 26 mai 2021. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite le meilleur pour cette pleine lune. Je vous souhaite d'obtenir ce dont vous rêvez d'avoir dans votre vie. Je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne et je suis très contente et ça me fait beaucoup de bien. Si vous ne vous êtes pas abonné et que le cœur vous en dit, ben, n'hésitez pas à le faire et activer la petite cloche pour recevoir les notifications de mes vidéos. Je vous embrasse tous bien fort et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci, au revoir.